qu'on emmenait à la guillotine. Il appelait trois fois. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, trois fois. Toute la casbah était réveillée. Hein. Que ce soit une heure ou à deux heures ou trois heures du matin, tout le monde était réveillé. Il les accompagnait par des youyou. Pour rompre l'engrenage infernal de la violence, attentat, torture, guillotine, attentat, Yacef Saadi a l'idée de contacter la résistante Germaine Tillion. Germaine Tillion est venue à Alger dans le cadre d'une commission d'enquête de la Croix-Rouge sur les conditions de détention des prisonniers FLN. Elle accepte de venir dans la Casbah pour y rencontrer Yacef Saadi dans son refuge de la rue Caton. Sur le canapé, il y avait assis Ali Lapointe avec sa mitrailleuse sur les genoux et en face de moi, sur un fauteuil, Yacef Saadi. Yacef me dit, vous voyez que nous ne sommes ni des brigands ni des assassins. Moi, j'ai un choc et avec beaucoup de tristesse et beaucoup de gravité et beaucoup d'émotion interne, je leur dis très gravement, vous êtes des assassins. Et à ce moment-là, il a un choc lui aussi. Et ce à quoi j'ai répondu, exactement, nous sommes des assassins. Bien malgré nous, nous sommes des assassins. Quand on pose une bombe et qu'il y ait des amputés, qu'il y ait... on est automatiquement qualifiés d'assassins. Et nous le sommes. C'est les conditions qui les conditions, le vouloir notre indépendance nous oblige à utiliser tout ce qu'on pouvait utiliser pour dire aux Français, il y en a marre, laissez-nous en paix, donnez-nous nos... Enfin, nous voulons notre indépendance, on lutte pour notre indépendance. Et il me raconte l'attentat de la Casbah. Attentat de la Casbah qu'il avait lui-même ordonné et qu'il a été ensuite... Regardez. Vous croyez que ça me fait plaisir? J'ai pleuré dans le casino de la Corniche. Je vous donne ma parole d'honneur que les larmes, j'avais les larmes aux yeux en disant, Yacef, regarde-toi, bon Dieu, regarde ce que tu es en train de faire. Des jeunes filles, est-ce que j'aurais accepté que ma fille ait une jambe coupée? Jamais. Et je l'ai fait pour l'autre. Alors j'ai pleuré, je me suis dit, je ne recommencerai plus, je ne ferai plus de bombes. Au fond, moi-même, je me haïssais. J'ai dit, bon, arrêtez ça. J'ai dit, si on arrête, on cesse de torturer les Algériens et on les condamne pas mort, je vous donne tout de suite mes bombes. Toutes mes bombes, je vais vous les donner. Elle m'a dit, que Dieu me... vous me donnez, qu'est-ce que je vais en foutre avec vos bombes? Je ne les ai pas besoin. J'ai dit, non, les bombes, on va les utiliser, mais pas contre les civils. Je lui dis, mais s'il y a encore des exécutions capitales. Il me dit, dans ce cas-là, je ne peux rien promettre. Alors moi, je le quitte en me disant, en réalité, si nous arrêtons les exécutions capitales et qu'eux arrêtent les attentats, on va pouvoir négocier. Et au fond, c'est tout ce qu'il y a à faire. Négocier. Malheureusement, les services français avaient été très vite informés des négociations menées par Germaine Tillion avec Yacef Saadi. Il fallait à tout prix mettre fin à cette médiation qui aurait pu changer le cours de la guerre. Ça aurait économisé deux années ou trois années de guerre. Quelques 50 000 personnes peut-être, ou j'en sais rien. Ça aurait abouti. Ça aurait abouti, oui. À mon avis, ça aurait abouti. Parce que le FLN comptait beaucoup sur Alger et Alger demande à ce que... Et puis j'ai tout un rapport que j'ai mis, la population elle est arrivée à ne plus répondre aux vœux du FLN parce qu'il y a trop de tortures, trop de... Ils ont massacré toute la population. Quoi. Donc la population ne souhaitait que ça s'arrête. Que ça s'arrête, oui. Donc ça pouvait répondre positivement de notre côté. Du côté français, il y avait aussi des gens qui avaient envie que ça s'arrête. Le préfet de police, Paul Tedjen, par exemple. L'armée faisait des rafles dans les appartements la nuit. Rafles, c'est toute une famille. On ne savait plus ce qu'ils devenaient.
Il dit, lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison, faites ce que vous voulez. Vous avez les pouvoirs de police. Bien. Sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nom des gens que vous avez arrêtés. Je les assignerai à résidence chez vous, dans le quartier militaire où ils étaient. Et vous me les rendrez à la sortie. Ils ne les ont pas tous rendus. On a assigné 24 000, il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000. Lorsqu'au mois de septembre 1956-57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Ça. Où sont-ils? Dans les camps, à Podkazel, même pas. Je suis allé à Podkazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyés, les crevettes bijards, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'est pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Dans l'impossibilité d'imposer sa vision humaniste aux militaires, le préfet Paul Tedjène donnait sa démission le 12 septembre 1957 et quittait le jour même l'Algérie pour ne jamais y revenir. Depuis son refuge de la Casbah, Yacef Saadi assiste impuissant au départ de Tedjène et au démantèlement du réseau FLN d'Alger. Pendant le mois de septembre 1957, ses agents sont arrêtés l'un après l'autre, généralement sur dénonciation. En effet, bien décidés à faire échouer ses négociations avec Germaine Tillon, les services français préparent méthodiquement l'arrestation de Yacef Saadi. Nous avions arrêté un de ses principaux adjoints et qui s'est mis spontanément à notre disposition, car lui aussi n'était pas tellement motivé par l'indépendance algérienne. Ils avaient un courrier, ils échangeaient un courrier entre donc Yacef Saadi, le chef de l'UFLM d'Alger et même de toute la zone autonome d'Alger, entre lui et donc Yacef et son adjoint, qu'il ne savait pas arrêter, bien sûr, il l'ignorait. Ce courrier partait, porté par des messagers ou des messagères. Et j'ai réussi à mettre au point de vue messager, une messagère plus exactement, qui était une femme qui travaillait pour moi. Et il y en avait beaucoup. Elle portait donc le courrier, elle nous ramenait les réponses de Yacef Saadi. Alors ceci était très bien, mais nous ne savions pas exactement où se trouvait son repère. Alors, ça s'est passé de la façon suivante. Elle a vu le messager qui apportait les lettres de Yacef Saadi à la maison où normalement était la boîte postale. Elle avait mis dans sa main un morceau de craie, elle lui a plaqué la main dans le dos, il avait donc une marque dans le dos, et il a été suivi comme ça dans toutes les ruelles de la Casbah par des femmes, par des enfants et par des hommes qui travaillaient pour moi. Et c'est ainsi qu'on a réussi à déterminer le repère où se cachait Yacef Saadi. Et c'est comme ça que, dans la nuit, il a été arrêté. Le démantèlement de l'appareil terroriste d'Alger se poursuit avec l'arrestation dans son refuge de la Casbah de Yacef Saadi, responsable du sang versé dans la ville depuis plusieurs mois. Avec lui se trouvait une jeune fille, Zohra Drif, dont il ne voulut pas être séparé pour accepter de se rendre aux parachutistes qui l'assiégeaient. Deux prisonniers d'importance dont la capture ampute sérieusement la rébellion de la zone d'Alger. La cache où nous étions, il y a deux maisons, numéro 4, numéro 3. Et il y avait un brin de ciel, un bout de ciel comme ça. La maison faisait comme ça. Et entre les deux maisons, il y avait 1,5 mètre. Et allez, la pointe était dans ce mur. Et moi, j'étais là. Là, la brina, allez, la pointe, c'est lui qui l'a fait. Alors, c'est comme ça. Alors, il sortit de temps en temps. Quand il n'y a rien du tout pour manger ou là pour rien. Si ça ne va pas, ils ne sortent pas. Des fois, 2, 3, 4 jours, ils ne sortent pas. On leur donne toujours là-bas. Ah oui, on ne peut pas sortir. Parce que pour remonter 4 personnes, il faut une échelle, il faut tout. Voilà. Il faut fermer les portes en bas. Et tu vois, des militaires, des fois, ils rentrent comme ça, brusquement. Hein. Des fois, ils viennent par la terrasse. Et c'est ça le problème. Alors, il fallait être prudent. Et surtout, Yacef est très prudent. Yacef est très, très, très prudent. Tellement prudent que certains mauvais esprits algériens ont pu s'étonner que Yacef Saadi se soit rendu aussi facilement au para. Ils ont mis des bombes.
Il voulait faire exploser le... Alors, on s'est concerté avec Zora. J'ai dit, si je meurs, moi, maintenant, avec cette bombe, il y a Ali, le petit Omar qui vont mourir aussi en face de moi, avec la bombe. Pff, je m'en fous, alors là, qu'il m'emmène en prison, et puis on verra bien. Mais j'aurais sauvé mon frère, il est en face. Et il était resté 48 heures dans ce trou, en face de moi. Moi, j'étais pris, il ne savait pas que j'étais arrêté. On lui a dit, mais il a été arrêté, il n'a pas cru. Il s'est tapé ici avec le... Il est devenu comme un fou, mais comme c'est pas possible, on lui a dit, oui, il l'a amené. Désormais, du réseau de poseurs de bombes de Yacef Saadi, il ne reste plus qu'un Ali Lapointe démoralisé, traqué, se traînant d'une cache à une autre, accompagné de son ami Assiba et d'un enfant de 12 ans, le petit Omar. Sur dénonciation, les paras réussissent à situer la dernière cache du Ali Lapointe, rue des Abderram. Encerclés, les terroristes refusent de se rendre. L'explosion d'un dépôt d'armes pulvérisait un groupe d'immeubles servant de repère à de nombreux rebelles. De ces décombres devaient être dégagés une douzaine de cadavres, parmi lesquels celui de l'un des chefs du terrorisme algérois, Ammar Ali, dit Ali Lapointe. Survenant après l'arrestation de Yacef Saadi, l'explosion de la Casbah a achevé de décapiter l'importante cellule rebelle de la capitale algérienne. Après la mort de Ali Lapointe, la bataille d'Alger est terminée. Il n'y aura jamais plus une seule bombe dans Alger et la Casbah retrouvera vite son animation habituelle. Pour l'armée, c'est une victoire indiscutable, même si cette victoire a été acquise au prix de beaucoup de sang et de pas mal d'états d'âme. J'ai fait couler du sang, c'est entendu, mais enfin, comme je le dis en finale, il en aurait coulé beaucoup plus si la bataille n'avait pas été livrée, a fortiori si elle avait été perdue. Beaucoup plus. Je pense que nous avons été très efficaces, mais... Ça n'est pas le genre d'opération, le genre de mission que je referai avec plaisir. C'était une mission très difficile, qui est tout à fait hors norme par rapport à l'éthique de l'officier occidental et chrétien de surcroît. Mais nous étions pris par la mission, donc nous avons essayé de la remplir le plus humainement possible, même si ce mot paraît un petit peu surprenant dans la bouche d'un officier parachutiste qui a participé à la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, une indiscutable victoire militaire, mais aussi une véritable catastrophe politique et morale. Comme certains de ses meilleurs officiers, l'armée française a sans doute perdu une partie de son arme dans les ruelles de la Casbah. Et elle en restera marquée pour plusieurs décennies au son infamant de la torture. Dans le même temps, les Algériens ont sans doute trouvé dans la bataille d'Alger les racines d'une unité nationale. Ils sont devenus tous des responsables. Les manifestations de décembre l'ont prouvé. Faute de leurs principaux dirigeants, principaux responsables, ils ont pris la responsabilité eux-mêmes de devenir des chefs. Et ils se sont soulevés. Des manifestations populaires d'une audace incroyable qui annoncent déjà l'indépendance de 1962. Et c'est justement dans la bataille d'Alger que la jeune nation algérienne ira chercher ses mythes fondateurs en transformant des héros aussi improbables que Ali Lapointe, Yacef Saadi ou leurs poseuses de bombes en véritables icônes de la révolution. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si le film de Gillo Pontecorvo, La bataille d'Alger, est utilisé dans les écoles de guerre américaines pour enseigner aux futurs officiers comment juguler la guérilla urbaine. La bataille d'Alger, une démonstration exemplaire par le FLN de la transformation d'une défaite militaire absolue en une victoire politique non moins absolue. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد كلنا نحن آمل الجزائر في الليالي
نحن للمجد بلاد نحن أمل الجزائر في الليالي الحالكات نحن طلب الجزائر نحن للمجد بلاد نحن أمل الجزائر في الليالي الحالكات كم غرقنا في دماء واحترقنا في حماء وعبرنا في سماء بعبير المهجر نحن طلب الجزائر